aujourd'hui, c'est d'essayer de chercher des orangs-outans. On a trouvé de nombreux nids. Encore un nid de nuit, mais il n'y a personne à l'intérieur et il date certainement de plusieurs semaines. Il y a des traces d'ours. Il est 10h du soir et je viens d'appeler le chef du village avec le téléphone satellite et il vient de me dire qu'aujourd'hui il a rencontré une femelle orang-outan avec un petit. Donc c'est une super nouvelle parce que pour le moment Andrew et moi on est plutôt bredouille. Donc demain matin à 4h30 on va partir vers le lac pour le rejoindre et il va nous emmener sur le lieu même où il a suivi cette femelle puisqu'il l'a suivi jusqu'au moment où elle a fait son nid. Donc normalement demain matin on devrait la rencontrer. Et je sens que cette nuit, on va pas beaucoup dormir parce qu'Andrew et moi, on est super excités. Il y a aussi Puma avec nous. Je suis à l'endroit exact où le chef du village a retrouvé la femelle hier soir. Donc là, elle doit être dans un rayon de 100 mètres, je pense. Il faut qu'elle fasse du bruit. C'est un moment extraordinaire, c'est surtout un privilège. Et grâce à vous, je suis sûr qu'on va arriver à les sauver. On va tous les sauver, elle et tous ses congénères. C'est pour ça que continuer à aider Calaouet. On va arriver à acheter ces 1500 hectares. Je compte sur vous.
C'est inimaginable que la compagnie de l'huile de palme à côté détruise ça. Et tu sais être magnifique. Donc, je vous présente le chef du village. Il s'appelle Presley. Pas Elvis Presley, mais simplement Presley. Parce que ses parents adoraient Elvis. Donc, du coup, voilà. Et il nous est d'une aide très très précieuse pour faire les repérages, rechercher les orangs-outans et pour faire naître la réserve. Merci. Merci pas. Yeah, let's go. Let's go. It feels very nice.